Mobility Masterclass is a high-level training course structured in various learning approaches. We have, of course, a theoretical presentation, but also expert testimonials, field visits, and very interesting workshops when actually people get together and try to solve problems using mobility data from different sources. Mobility data have become a very important topic, especially for transport planners. With the huge deployment of mobile devices, it gives great insight of how people move and how goods are being transported. Many of our customers are looking for new techniques for analyzing mobility flows, and this is why we thought that a mobility masterclass about this topic would be relevant. There are a lot of mobility data generated by different sources, for example, floating car data coming from GPS, floating mobile data coming from mobile phone, cameras positioned on the roads or cars itself, giving a lot of new data to be analyzed. It is important for cities and governments to better understand their territory, to face against congestions and to give a better quality of life. So administrations should better know how to handle these data and to use them to reach that goal. L'objectif a été rempli, je pense. Le but n'étant pas d'en faire tous des experts mobilité de tous les sujets, de toutes les datas, mais en tout cas de donner les clés pour bien connaître les différents types de données, FCD, FMD, etc. et les atouts, les limites de chacune de ces plateformes. Employees of administrations could first learn how to use these data, what are the cases they could use them. Once it's done, once this knowledge is acquired, they are in better position to use them depending on the project or the situation. Ce qui peut vraiment transformer la mobilité, c'est de réussir le challenge de ne pas se noyer sous la donnée qui est en quantité monstrueuse, on l'a vu, et de vraiment travailler conjointement entre tous les acteurs, de s'affranchir un petit peu des limites traditionnelles qu'on voit entre les différents organismes et le public et le privé, et vraiment de mutualiser la recueil de données, les abonnements, et de vraiment toujours réfléchir dès le départ à la question qu'on veut résoudre avant même d'utiliser les données. Une ouverture sur des nouvelles sources de données autres que celles qu'on utilise à interne STIB. Par exemple, les données de Floating Car Data qui pourraient avoir un intérêt sur l'étude de la circulation de nos véhicules sur la voirie et l'impact du trafic sur cette circulation. Moi qui quand même exploite la donnée de mobilité au quotidien, ça m'a permis d'apprendre quelques données plus techniques détaillées, par exemple sur le taux de couverture des données TomTom, etc. C'est des questions qu'on me pose au quotidien dans mes missions et auxquelles je n'ai pas toujours la réponse. Il faut toujours demander aux fournisseurs de données qui étaient en partie présents pendant ce cours. Je trouve qu'il y a vraiment un bon niveau d'expertise et un bon rythme. Il y a des parties plus théoriques, des parties pratiques, l'ouverture sur des orateurs qui viennent présenter leur domaine. Donc non, franchement, c'est bon équilibre. Je recommanderais à tous les publics, que vous soyez public ou privé, expert ou novice dans les outils d'utilisation et de traitement de la donnée, puisqu'en fait, on a des données théoriques assez large sur tout le champ des possibles, avec quelques cas d'études concrets, mais qui peuvent être appliqués vraiment par tous, peu importe votre niveau d'informatique. La visite justement du Mobility Center, puisqu'on voit la mise en application très concrète de toute la théorie qu'on a pu entendre sur un travail majeur qui est la gestion à la fois du trafic automobile et du trafic de transport en commun pour Bruxelles Mobilité et la STIB dans un seul et même endroit. Et c'est toute une fourmilière assez exceptionnelle à observer de métiers très divers qui tous, d'une manière ou d'une autre, utilisent la donnée de mobilité pour le bien-être des citoyens. We've actually noticed that the community dynamic was really important for the participants. They have time to exchange on very specific topics and learn from each other. And this sense of community will help build a sort of data governance, certainly at national level.